je veux dire, c'est que quand une dizaine d'individus, ou même plus, arrivent avec pour seul objectif de planter à tire-larigot des gens dont la plupart ils ne connaissent pas, ça s'appelle un mini-pogrome. Alors pourquoi on refuse ce mot? Parce qu'effectivement, ces gens, et c'est le réel, ça va vous faire hurler, mais ces gens sont issus de certaines immigrations pour qui le coup de couteau est la manière de régler un certain nombre de choses. Mais pardon, monsieur, qu'est-ce que vous en savez? L'enquête est en cours. Alors, j'ai un élément de réponse à la question de madame qui me dit « qu'est-ce que vous en savez ?» Écoutez, vos confrères du Dauphiné libéré ont, comment dirais-je, rapporté les mots prononcés par les agresseurs. On est là pour planter des blancs. Donc, est-ce que vous pensez que si ça avait été des blancs, ils seraient là pour Alors, planter des blancs? Alors, je vous lis en tout cas le communiqué de presse du parquet qui dit « Il est faux d'affirmer que le groupe hostile serait composé d'individus tous originaires de la même ville, du même quartier. Les liens qui peuvent exister entre les suspects possibles ne semblent pas reposer sur de telles logiques de territoire. Les enquêteurs progressent très vite, mais il faut laisser l'enquête se faire. On a encore très peu d'informations sur l'identité de ces agresseurs. » Mais vos confrères votre tweet hier, alors que l'enquête est loin d'être terminée. Dans la France ensauvagée en cours de grand remplacement, des jeunes colons venus d'une cité de la région de Grenoble ont attaqué, tué et blessé des jeunes Français qui ont pour seul tort de vivre sur la terre de leurs ancêtres. C'est bien ça. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce qu'il y a eu tellement de récits, on a perdu un peu le fil. Concrètement, qu'est-ce que tu as pu voir, toi? Certains ont évoqué un mobile raciste. On aura entendu la phrase « on va tuer des blancs ». Est-ce que tu confirmes? Oui, je confirme, je l'ai entendu de moi. Au début, je croyais que c'était faux. Et en fait, je l'ai vraiment bien entendu. Vous connaissez ces jeunes ou c'était vraiment une bande de sauvages qui est venue vous agresser? On ne les connaissait pas du tout. C'est bien ça. D'abord, vous avez les images que certains journalistes ont relayées. Vous avez la presse locale qui relaie les propos. Nous sommes ici pour planter des blancs. Si ça avait été des Français de souche ou assimilés, ils n'auraient pas prononcé cette phrase. Ça veut bien dire que l'acte est un mini-pogrome raciste. Bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents. Écartez-les pour passer le temps. Divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands. Fouettez les forts, faites-le franchement. Mais ça pue la mort, que ça puisse le sang pendu aux arbres dans le vide sidéral. Que ces fruits immondes procurent.